Good evening. We're here with Mr. Jacob Ngini, a very good friend of La Pirou de Banga, who knows the in and out of La Pirou de Banga. He's going to tell us more about La Pirou de Banga and the event that is going to take place in Washington, D.C. here. I am very happy to talk to you. Very nice being with you today. And just came out of a meeting, a preparatory meeting for the La Pirou Forever event that is going to take place on May 2nd, 2014, here in Washington, D.C., USA. And La Pirou is somebody I don't think we should be introducing, but the point is that people have always known La Pirou based on his songs and his later life after he became famous. But people do not know that he is a young guy who came from a very well-to-do family. Daddy was a multi-millionaire. La Pirou has 26 other siblings. Wow. Has brothers and sisters, beautiful girls, beautiful handsome brothers. And he decided to do music as a choice. It's not because he lacked anything. Okay. No. He started his career in Victoria. Yeah. Today it's called Limbe. He was like 13 or 14 years old when he was playing at a club called Soul Jungle at Half Mile Limbe, Victoria, in those days. At that time I was in college. We used to go down during the students' party, which was happening in PYC Limbe, and they bring their band. And I was like, one day, and I said, Sanjo, hey, boy, you left school to do music? He said, okay, you who decided to go to school, why are you here? So it has been like that. I mean, this guy is my childhood friend. He was just involved in this music. From there, he moved to Moyoka, he went to Kuma, and went to Bamenda. He played everywhere. People don't know that La Pirou started off playing reggae music. Okay. La Pirou was doing music in the footsteps of Bob Marley. Okay. So there is a revolution that you see in him. Okay. Has been something. He used to wear dreadlocks. He wore dreadlocks for so many years. And people do not know La Pirou in that dreadlocks era. Okay. So, but when he came back, went to Nigeria and moved to West African countries like Ivory Coast and others, and came back to Lagos, yeah, and met Fela at the Shrine. Okay. Doing his style of music. That's where he changed his mind that he's going to start sending his message. Okay. With African beat and not reggae. Right. And that's how he started with No Money, No Love, and it went on to Sifasi Reparation, yeah, and then he moved on to No Make Error, and you know the rest of the crowd. Absolutely. That's it. So it's unfortunate that the guy, after all these years of doing music, mm-hmm, would leave his country to come and to reside in the USA, not because he wanted. La Pirou lacked nothing. He didn't come to America like most people were looking for greener pastures. Mm-hmm. No, he had a choice to remain in Africa. But I think he looked at his family and he said, with the condition that I find myself now, if I leave this guy here, mm-hmm, these guys are not going to make it in where the country is now. I better find a place for them. And that's why he came to the U.S. He knew he was sick, right in jail. He had been told the first year in jail that he had all these problems with his prostate. And unfortunately, treatment was denied. Okay. So he had to stay there, and the thing was progressing. Okay. Can you imagine having cancer for 3 years without any treatment? That's like a death sentence. Absolutely. So when he came back, and the reason he was established in New York is because they thought they could find the best cancer centers there, and which okay, they got at the Roswell Cancer Institute in Buffalo. Okay. And which he found out about the hospital after he had actually settled in Buffalo. Mm-hmm. And like Pirou did not come here like an asylee. He was a refugee. Oh. Distinction should be made. Yeah, he didn't come to America to look for asylum. Okay. He got refugee status right in Africa before he even put his foot here. Okay. But before that, La Pirou had been to the U.S. so many times to do big concerts, big shows, and things like that. I don't believe that when La Pirou was doing a song like Mimba, we in the studio in France, yes, he ever thought in his wildest dream that he would settle in the U.S. one day. Oh, absolutely. Not to talk of dying. I see. Yeah, so when he got in here, he was always talking. We were always talking on the phone like every other day.
And the bad thing is that he came in when I was personally very, very sick. Mm-hmm. And there was a day he left Buffalo, came to Washington to do a concert, and he came to the house, he saw me, I was down with oxygen tubes in my nose. Yeah. And he said, "Hey, Jaco, je ne suis pas venu aux États-Unis pour t'enterrer, hein? Faut te lever, c'est qu'est-ce que tu fais là?" And so that's the type of guy that he was, and it's really, really destiny that today I am the one who have finally buried him, and we are preparing for his La Piro Forever celebration. Oh, I see. Yes. Well, I know many people will be listening to this comment that you're making. Is there any way you can speak to people who are French speaking? Ah, je ne sais pas. Bon, je vais peut-être répéter ce que je viens de dire en anglais, mais je crois que le monde est devenu petit. L'anglais est plus parlé dans le monde que le français aujourd'hui, il faut accepter. C'est un peu ça. La vie de la Piro, jeune garçon d'une famille très, 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 très large, une grande famille. Il avait 26 autres frères et sœurs. Et papa était multimillionnaire au Cameroun. Il ne manquait rien. Mais il a opté pour faire la musique, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas aller faire les études. Non, c'était son don, son destin, le talent, tout était dans lui. Et il fallait qu'il exploite ça au fond. Il était vraiment destiné d'être ce qu'il est devenu. La Piro est plus grande dans sa mort que de son vivant. Il n'y a personne qui peut ignorer la Piro. Chaque Camerounais a une partie de la Piro. Ça peut être une mauvaise partie, une bonne partie, mais c'est quand même une partie. Musicien, moi je suis guitariste. Les gens souvent disent que toi tu joues à la guitare extrêmement bien et puis tu ne fais que parler de la Piro. C'est mon ami, on a commencé ensemble, on avait peut-être 13 ans. Il était dedans. Moi, j'étais parti à l'école. Bon, vous savez, à l'époque, quand tu ne veux pas fréquenter, on te capte. Si tu fais la musique, on t'appelle bandit. C'est la différence. C'est que quand tu es à la maison, tu fais bien à l'école et oui. Tu joues la musique. Oui. On ne t'encourage pas, on te tape, on te traite de bandit. Et oui. Pourtant, tu as peut-être un frère là qui ne fait pas bien à l'école, mais parce qu'il ne fait pas la musique, on le prend pour un garçon sérieux. Absolument. Mais les parents doivent décourager ce comportement-là. On a perdu beaucoup de temps. Il y a des gens qui sont aujourd'hui les chefs des impôts, les préfets, ceci et cela, peut-être même des gens qui portent les sacs des gens en route pour faire ce qu'on appelle le chouette, comme la Piro disait. Oui. Peut-être ça, c'était des gens que s'ils étaient encouragés, seront des grands, grands musiciens, des grands vedettes qui devaient être les ambassadeurs de notre culture à la scène internationale. Ouais. Donc, on peut comprendre que nous sommes encore un peu derrière. Nous avons notre voisin du pays Nigeria où tu vois un musicien au statut de la Piro devait être comme un roi vivant dans un grand palais avec tout ce qu'il faut. Moi, je ne vais pas cacher. Regarde les Piscouins et les Flèvres, par exemple. Ils n'ont pas eu l'impact qu'un musicien camerounais comme la Piro. Mais regardez la différence. Ces gars-là, les Piscouins, ils tournent dans un avion privé. Absolument. Et les musiciens camerounais font. Absolument. Nous avons les meilleurs musiciens en Afrique. Je ne cache pas ça. Les Camerounais restent les meilleurs. Meilleur bassiste, meilleur guitariste, meilleur tout. Les ingénieurs sont, on connaît, nous avons des grands, 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 grands musiciens qui, mais structure, il n'y a pas. Okay. Il n'y a pas. La Piro a lutté au côté politique pour notre liberté, pour notre démocratie, mais les musiciens sont toujours presque en chômage. Bien, voilà, Jacob Ngouni. Nous sommes au terme de cet entretien à l'occasion de la cérémonie que vous organisez, vous les musiciens de la diaspora organisez en l'honneur de votre frère, ami, collègue, musicien La Piro de Banga. Oui. Et s'il y avait une question que vous pensez qu'on ne vous a pas posée, quelle est cette question que nous avons à poser? La question qu'on devait, je crois qu'on devait me poser, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que oh, le corps devait arriver au Cameroun, on devait faire ceci, cela. Et si je demande les gens où est le corps là, ils vont dire quoi? Mais moi je ne sais pas où est le corps. Bon, et si il était enterré, est-ce que les gens devaient dormir autour de sa tombe?
Je ne sais pas. Il est mort, il est mort. Ce qui reste, c'est ça qui reste. On reste avec le fait qu'on ne va plus le voir. Il ne va plus le voir. C'est ce qu'il a laissé qui est important. Ce n'est pas là où il se trouve le corps. Okay. Et nous sommes en train de chercher à créer la Piro Forever Foundation au Cameroun. Et on commence ici. On fait ce qu'on appelle en anglais fundraising, oui, pour mettre le stone, cornerstone of the foundation of La Piro Forever. Parce qu'il faut que d'ici 100 ans, 200 ans, que les gens dans l'histoire du Cameroun, qui ne sera jamais complet sans mentionner le nom de La Piro de Manda, Ti, Lambo, Roger, Pierre, Sanjo. C'est un phénomène. Il nous faut encore peut-être 50 ans pour voir encore une action comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci pour le temps que vous avez consacré pour écouter ce petit entretien que nous avons eu avec l'ami personnel, le frère personnel de Lambo, Pierre Roger, dit La Piro de Mbanga. À ceux qui sont en Banga, nous disons un grand salut à vous qui êtes en Banga. Oui. Et à ceux qui sont de par le monde, vous avez un grand salut de Jacob Ngouni. Vous avez joué avec Nico Mbanga, c'est ça? Oui. Et vous étiez, c'est là où les Camerounais ont découvert qu'il y avait un musicien qui s'appelait Jacob Ngouni. Oui, j'ai un petit garçon comme ça. Des fois, quand le concert durait peut-être plus de 2 ou 3 heures, je me plaignais parce que ma guitare était une gypsum qui pèse trop. Et comme était, bon, c'était à l'époque. Mais je joue, jusqu'ici, je joue. Hein. C'est la différence entre la musique et le sport. Quand tu vieillis dans la musique, tu deviens plus bon. Oui. Mais le sport, 35 ans, 40 ans, tu ne peux plus continuer parce que le corps est fatigué. Absolument. Ouais, mais la musique, plus tu vieillis, plus tu deviens bon et plus tu fais pour les bonnes choses. C'est ouais, la différence. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir écoutés. En face de vous, vous aviez Ronce Essé-Tamé et puis à ma droite, Jacob Ngouni. Le président de Jacob Ngouni et de Jacob Ngouni. Merci beaucoup et à bientôt.